monde debout. Maintenant. Je t'avais dit deux. C'est tout ce que j'ai. On va se le faire à l'ancienne. C'est plein de cocaïne. Ouais, je sais. Voilà, merci comme preuve au dossier. Ah ouais, exact, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je cambriole ce dealer pour toi? Tu veux cambrioler un dealer? Bah, tout ce que je veux, c'est l'étudier de plus près. Si ça ne donne rien, on abandonne. Quoi que ces mecs entreposent là-dedans, ça reste ici, y a rien qui sort, jamais. Ils font les livraisons par l'arrière, mais où ça va une fois à l'intérieur? Ça excite ta curiosité, hein? Je n'ai rien reçu de votre service à propos de ça. Vous avez raccroché mon téléphone? Oui. D'une manière suspecte? Non, pas du tout, je vous le jure. Ça pourrait indiquer que vous exercez une activité potentiellement illégale. Je vous donne $100. Ok. Très bien. Des mecs se font un coffre-fort à l'arrière d'un magasin et on l'a découvert. Précisément. Et comment on va tout sortir? Allô? Ja, allô? Einen der so Boche. Le type muss im Bankrobazar oder sowas. Ja, voll cool. Où est-ce que t'as planqué le van? Pourvu que ce soit pas lui. Pourvu que ce soit pas lui. Pourvu que ce soit pas lui. Ça vaut la peine de creuser à condition de pouvoir mener l'affaire jusqu'au bout et discrètement. La façon que tu as eu de dire cette phrase-là, c'était trop cool. La porte du coffre est trop récente. Si on l'attaque, on va se heurter au mécanisme. Alors à moins d'engager un braqueur professionnel... Et là, je dis non. Tu dis non. On y est, ouvre-la. T'en es sûr? Allô? Et donc ton idée, c'est de percer le plancher de l'appartement? Exact. D'accord. Nous voilà de mèche. On peut pas faire ça, je sais pas où on est tombé au juste. On est à l'épicentre du rêve américain. Ouvre-la! Ouvre-la!